La règle dite de n plus 1 nous permet de prédire de combien de pics sera composé le signal RMN d'un proton dans un spectre RMN. Si on pense à un proton en particulier dans une molécule, s'il a n protons voisins, alors on s'attend à trouver n plus 1 pics. Mais cette règle ne fonctionne que si ces protons voisins sont équivalents. On va voir tout de suite un exemple. Dans la vidéo précédente, on avait étudié cette molécule qui est un trichlorométhoxybenzène et on s'était intéressé à ce proton ici en rose et également à ce proton ici en vert. Si je regarde ce proton ici en rose, on avait vu que le signal qui lui était associé dans le spectre RMN, c'était ce signal ici, que je vais remettre en rose, qui est composé de deux pics. Et puis le proton vert, le signal qui lui est associé, c'est celui-ci, qui est également composé de deux pics. Alors on va s'intéresser à notre proton rose, et on va regarder le nombre de protons voisins qu'il a. Je regarde le carbone qui est directement lié à notre proton, c'est celui-ci. Ce carbone a deux carbones voisins. Ce premier ici, qui est directement lié à un proton, un hydrogène. Donc on a déjà un proton voisin. Et sur le deuxième carbone voisin, on n'a pas d'hydrogène. Donc on a un seul hydrogène proton voisin pour notre proton rose. Donc par rapport à cette formule ici, on a n qui est égal à 1. Et donc n plus 1, ça fait 1 plus 1. Évidemment, ça fait 2. Ça signifie qu'on doit obtenir 2 pics pour le signal de ce proton rose. Effectivement, c'est bien ce qu'on observe. On a bien 2 pics. On a un doublet pour notre proton rose. On va voir maintenant pour notre proton vert si on peut également appliquer cette règle. Donc je regarde ce proton, le carbone qui lui est directement relié. Ce carbone est relié à deux carbones voisins. Celui-ci ne porte pas de proton. Et celui-ci qui porte le proton rose. Donc le proton vert également, il a un seul proton voisin, notre proton rose. On a donc également n qui est égal à 1 pour ce proton vert, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2. On s'attend donc à trouver un signal avec deux pics pour notre proton vert. Effectivement, on a bien 2 pics, un doublet pour le proton vert, dû à la présence du proton rose. Si je m'intéresse maintenant aux autres protons de la molécule, c'est-à-dire aux protons du groupe méthyle ici. Sur le carbone qui porte ces trois protons équivalents, on est directement lié à un oxygène qui ne porte pas d'hydrogène. On n'a pas de protons voisins pour ces hydrogènes du groupe méthyle. Donc pour ces trois protons ici, on a n qui vaut 0, aucun proton voisin, 0 plus 1, évidemment ça fait 1. On s'attend donc à avoir un signal avec un seul pic, ce qu'on appelle un singulet. Effectivement, c'est bien ce qu'on observe sur le spectre. On a le pic ici qui correspond à nos protons violets avec un seul pic, donc un signal qu'on appelle un singulet. On va voir un autre exemple avec une molécule qu'on a également étudiée dans la vidéo précédente. Et dans cette molécule, on avait vu qu'on avait deux types de protons. Le proton ici que je mets en vert, et puis les deux protons ici portés par ce carbone qui sont équivalents, qui ont le même environnement chimique. On commence par s'intéresser à nos deux protons roses et à savoir combien de protons voisins ont-ils. Donc le carbone qui porte ces deux protons roses, c'est celui-ci. Il est relié à un carbone qui est lié à un hydrogène. On a donc un proton voisin pour ces deux protons roses. On a donc n qui vaut 1. 1 plus 1, ça fait 2. Ça veut dire qu'on s'attend à trouver un doublet pour le signal de ces protons roses. Effectivement, on avait vu que le signal ici, ce doublet, 1, 2 pics, correspond à ces deux protons. On regarde maintenant le proton vert. Ce proton vert, il est lié à un carbone qui est lié lui-même à un carbone lié à deux hydrogènes. Donc ce proton vert, il a deux voisins. N égale 2. 2 plus 1, ça fait 3. Ça veut dire qu'on s'attend à trouver un triplet comme signal pour ce proton. Et effectivement, on avait vu dans la vidéo précédente que ce triplet ici, 1, 2, 3 pics, ce signal triplet correspond bien à ce proton vert. Et ça fonctionne parce que ces deux protons roses sont équivalents. Donc ces deux voisins du proton vert sont équivalents chimiquement. On va voir un autre exemple avec la molécule de bromoéthane ici. On va commencer par dessiner les hydrogènes de cette molécule à partir de cette formule topologique. Donc on a deux hydrogènes sur ce CH2 ici. On a trois hydrogènes sur ce groupe méthyle ici. Et évidemment, ces deux protons verts sont équivalents et ces trois protons roses sont équivalents. On commence par s'intéresser à nos protons roses, ces trois protons ici. Ils sont liés directement à ce carbone, qui est lié à ce carbone qui porte deux hydrogènes. Donc ils ont deux voisins, ces deux voisins sont équivalents. On a donc n égale 2, deux protons voisins équivalents pour nos trois protons roses. 2 plus 1 égale 3. On s'attend donc à trouver un signal triplet pour ces trois protons roses. Et effectivement, sur le spectre,
Ces trois pontes roses, on les retrouve ici avec ce signal triplet, 1, 2, 3 pics. Et nos protons verts qu'on a ici, ils sont liés directement à ce carbone qui est lié d'un côté à un brome, on n'a pas d'hydrogène de ce côté-là, et ici à un autre carbone lié à 3 hydrogènes, 3 protons équivalents. Donc N égale 3 pour ces deux protons verts, c'est-à-dire 3 plus 1 égale 4. On s'attend donc à avoir un signal composé de 4 pics pour ces deux protons verts. C'est ce qu'on appelle un quadruplet. Et effectivement, ce signal ici qui comporte 1, 2, 3, 4 pics, un quadruplet, correspond bien à ces deux protons verts ici. On va voir encore un exemple avec cette fois-ci le 2-bromopropane. On va commencer par dessiner tous les protons de cette molécule. Donc, je vais commencer par dessiner en rose les protons des groupes méthyl ici et en vert le proton qu'on a ici sur ce carbone. Alors évidemment, si j'ai dessiné de la même couleur les 6 protons en rose, c'est parce qu'ils sont tous les 6 équivalents. On a une symétrie dans la molécule ici qui fait que les deux groupes méthyl sont symétriques et sont complètement équivalents. Donc, les 6 protons ici sont tous les 6 équivalents. Et on a un proton vert ici. Donc deux types de protons dans cette molécule, 6 protons équivalents en rose et un proton vert ici. Donc deux environnements chimiques possibles, deux signaux attendus sur le spectre RMN. On va commencer par s'intéresser à nos protons roses, à savoir combien de protons voisins équivalents vont-ils avoir. Donc je pars de ceci, ce groupe méthyl. Ce carbone est lié à ce carbone ici, qui est lié à un hydrogène. Et c'est exactement la même chose. Pour ces trois hydrogènes ici, ce carbone est lié à ce carbone lié à cet hydrogène. On a donc un voisin pour ces six protons ici. Donc N égale 1 pour mes six protons roses. 1 plus 1, ça fait 2. On s'attend donc à avoir un doublet comme signal pour ces protons roses ici. Et effectivement, c'est bien ce qu'on observe sur le spectre RMN. On a dû faire un zoom à main levée ici pour bien distinguer les deux pics qu'on avait sur ce signal. Donc mes protons roses ici. 1, 2 pics, donc ça c'est vraiment le zoom de ce signal ici. Donc on a bien un doublet pour ces 6 protons roses ici. On s'intéresse maintenant à notre proton vert. Donc lui, combien de voisins équivalents va-t-il avoir? Donc il est lié à ce carbone, et de ce côté il est lié à un brome qui n'est pas lié à des hydrogènes, donc on n'a pas d'hydrogène voisin de ce côté-là. Il est lié à ce premier groupe méthyl, avec donc 3 protons voisins, et ce deuxième groupe méthyl avec 3 autres protons voisins. On a donc 6 protons voisins qui sont tous les 6 équivalents. N égale 6. 6 plus 1, ça fait 7. On s'attend donc à avoir un signal avec 7 pics pour notre proton vert. Effectivement, c'est ce qu'on observe sur le spectre. On a ce signal ici. Donc là, on a dû zoomer également pour essayer de voir mieux les 7 pics. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a bien un signal avec 7 pics. C'est ce qu'on appelle un septuplet. Voilà donc illustré par quelques exemples le principe de la règle dite N plus 1. On va voir quelques précisions concernant le couplage de spin et dans quelles conditions est-ce que ce couplage apparaît et qu'il faut le prendre en compte. Alors, il n'y a pas de couplage de spin entre des protons équivalents. Par exemple, sur cette molécule ici, donc un dichloroéthane, je vais dessiner les différents protons qu'on a. Donc on a ici un CH2, donc avec deux hydrogènes, comme ceci, et puis ici un autre CH2, comme ceci. Ces quatre protons ici, ils sont équivalents, ils ont exactement le même environnement chimique. Et par conséquent, on n'observera pas de couplage de spin entre ces protons, et on aura un seul signal pour ces quatre protons sur le spectre RMN. Donc bien faire attention lorsqu'on cherche les protons voisins, à ne pas se retrouver avec des protons qui sont équivalents aux protons qu'on est en train d'étudier. Toujours commencer par déterminer les groupes de protons équivalents, et ensuite s'intéresser aux protons voisins de ces groupes. On va ensuite voir d'autres conditions. Donc on parle depuis le début de la vidéo de protons voisins. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien en fait, lorsqu'on a un proton comme celui-ci qui est lié à un carbone, on regarde le carbone voisin. Si ce carbone est lié à un proton, alors on a ce qu'on appelle un proton voisin. C'est ce que j'ai fait depuis le début de la vidéo. Parce que dans ces conditions, le couplage est observé. Donc lorsqu'on a deux hydrogènes qui sont voisins du fait qu'ils sont portés par deux carbones voisins, on observe un couplage. Puisque lorsqu'on a un carbone supplémentaire entre les deux, comme ici dans ce cas, le couplage n'est généralement pas observé. Évidemment, il peut y avoir des exceptions, mais globalement, on cherche les protons voisins, c'est-à-dire qu'on cherche les protons portés par des carbones qui sont voisins. Lorsqu'on a un atome supplémentaire entre les deux carbones, par exemple ici un carbone, eh bien on n'observe pas de couplage. Enfin, il peut être parfois possible d'observer un couplage entre deux protons portés par le même carbone.
Par exemple, ici, si ces deux protons, celui-ci que je mets en violet et celui-ci que je mets en orange, ont des environnements chimiques différents, alors on peut observer un couplage entre ces deux protons. Et on verra ça plus en détail dans la vidéo suivante.